dimanche 27, 17h, quelques heures que nous sommes partis. Cette nuit, il y avait tempête, de la neige, et dans cette fin d'après-midi, nous avons un grand soleil et nous marchons à 7 nœuds et demi, cap sur l'Afrique. Ton premier quart, là, après avoir quitté la Géorgie du Sud, tes sentiments sur cette escale d'une quinzaine de jours sur la tombe de Shackleton? C'est une île magnifique, c'est un havre de paix pour les animaux. Maintenant, après des années d'exploitation baleinière, c'est devenu une réserve magnifique avec une vie animale extraordinaire. Pierre, une quinzaine de jours en Géorgie du Sud et ce dimanche 27 février, janvier, pardon, nous repartons vers l'Afrique du Sud et tes sentiments sur cette escale sur les traces de Shackleton. On a le sourire aux lèvres d'aller voir l'Afrique, mais bon, le petit regret de quitter Shackleton, de quitter la Géorgie du Sud, mais bon, on a le soleil qui nous sert de trait d'union. Scène de la vie du bord, un tuneux dehors, nous sommes en 75 degrés du vent à 175 milles de la Géorgie, en route pour le Cap. Et tout va bien à bord, n'est-ce pas Hubert? Oui, tout va bien. Il faut se tenir, il faut s'accrocher aux branches. Mais la soupe aux choux ce soir va nous donner un sourire et un moral d'acier. Christian, je te prends à la sortie de... des chiottes. Et ça s'est passé comment? Très bien, sans problème, okay. Tout va bien. Merci Christian. Noël, tu es en bonne voie pour remplacer Christian. Je me bats. En haut, sur le podium de celui qui reste le plus couché à bord. Ouais, je me bats là, je suis en passe de le rattraper et peut-être même de le dépasser avec un peu de chance. Bon. Bravo Noël, bravo. Alors, ce soir, c'est toi qui officie à la cuisine et nous allons manger. Et ce soir, c'est la soupe aux choux pour les marins. Soupe aux choux maritime au cœur de l'Atlantique Sud. Et comme accompagnement pour se réhydrater, tu as prévu la vérité, c'est de la flotte, parce que là, on est en quarantaine jusqu'à dimanche, et c'est très, très, très dur. C'est sûrement le plus dur de la traversée. Jean-Michel, cette période de sevrage, pas trop difficile? C'est extrêmement difficile. C'est absolument insupportable. C'est vraiment... On se demande ce qu'on est venu faire ici. Heureusement, l'Afrique du Sud, ça va être la fête dans la French Hooks. Alors Noël, petite manœuvre là, avant le cap là, belle brise, belle mer, beau soleil. Ouais, c'est la Méditerranée dans toute notre perfection. Alors là, c'est fort, il fait pas beau, il fait froid. Ok. Et qu'est-ce qu'il fait le monégasque devant là? Il s'amuse avec des bouts de ficelle devant au pied du mât. D'accord. Michel, on vient de rétarquer la trinquette là. Quelles sont les conditions présentement? Présentement excellente pour les 50e, conforme. On avait 50 nœuds, donc c'est tout à fait logique. Et puis ça vient de se calmer, ça réadonne, c'est ce que la météo prévoyait. Et donc notre route va être excellente au nord de nos prévisions. Tout va bien. Cette petite manœuvre, comment elle a été vécue à l'intérieur? Moi j'ai vécu le spectacle, donc
prise quand même, non pas de risque, il n'y a pas de prise de risque, mais prise au vent, prise d'une grande bouffée de d'air marin pour Fabrice. Ah, il a bien mérité de la patrie. Bravo à tous. Oui, l'avis du météorologue, on est dans la zone de convergence en Atlantique et les eaux de l'Antarctique. On voit d'énormes icebergs, l'explication? Ces icebergs ont dû se détacher vraisemblablement vu notre position de la mer de Weddell et sont remontent et viennent buter contre cette zone. C'est le courant qui entoure l'Antarctique. Et on pensait être sorti d'affaire alors que nous sommes à moins d'un degré, c'est-à-dire à peu près à maintenant 50 000 en latitude de la zone de convergence. Et on a effectivement deux beaux icebergs qui nous longent. C'est un rappel à l'ordre comme quoi il faut garder une vigilance extrême la nuit, radar, veille attentive, tous les signes qui nous pourraient nous indiquer qu'on se trouve à proximité de ces gros glaçons. La consigne, plus que jamais, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Sécurité, effectivement. Mais je crois que tout le monde en est conscient et ça se passe très très bien. Tu nous comptes. Merci, Hervé. Hubert, un bien joli quart. Oui, oui. Ah oui, mais merveilleux. Merveilleux de prendre l'air et de respirer, de voir le soleil. On s'amuse comme des fous. Et on rassure ces aficionados. Noël est en pleine forme, comme d'habitude. Exceptionnellement à la cuisine. Et on vous rassure, on le remplace de plus en plus. Oh putain. Alors Noël, heureux de ne pas être sorti pour faire la manœuvre. Ah, je suis sorti tout à l'heure. C'est bien. Tout à l'heure, je suis sorti. Ça bouge midi, un peu. À midi, pour fêter ce passage dans les glaçons, ça sera lentilles, salade de lentilles. Ouais. Salade de lentilles, super. Le pain façon... Grand large. Le pain façon iceberg Grand large, grand large. Iceberg, c'est difficile, il fait froid. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on pourrait boire comme Shackleton avec ça? Il y en a pour déjeuner. Retour dans le havre de paix du Dogahouse. Une 6 sur le fond. Un cap idéal.
milieu des glaçons, en espérant qu'on sorte de la zone ce soir pour les quarts de nuit. À la veille d'une forte dépression, comment anticipes-tu cet événement? Eh bien, ça fait 3-4 jours qu'on la suit à la trace. On prend 3 modèles différents, un modèle néo-zélandais, un modèle européen et un modèle américain. On essaye de voir si les prévisions correspondent. Et en fonction de ces prévisions, on arrive à anticiper le passage, la force, l'état de la mer, et pour avoir la meilleure adaptation possible. Hervé, tu vis avec bonheur tous ces moments, tu as toujours le sourire, tu maîtrises parfaitement la situation. Quel est ton secret? Mon secret? Il n'y a pas de secret. Une bonne hydratation? Non. Plus sérieusement, c'est beaucoup de préparation. Aller chercher les bonnes informations, on est limité parce qu'on les collecte grâce à des connexions satellitaires par Iridium et on n'a pas beaucoup de débit. Donc, on prend deux prévisions par jour de ces 3 modèles et on anticipe. Là, en définitive, ça fait 3 jours qu'on est monté un petit peu au-dessus de notre route puisque on sait que le vent va largement refuser. Il est actuellement d'ouest, on l'a dans les fesses. On se fait pousser vers le cap et il va tourner au nord. Donc on ne pourra pas faire la même route. On serait trop au près avec les 50 nœuds annoncés, ça serait trop fort. Donc on a anticipé et on va partir vers l'est, faire le dos rond et attendre que le vent repascule à l'ouest ensuite. Cap sur le cap. Cap sur le cap, Hubert. L'équipe de la boulange là du bord, il nous annonce un fort coup de vent pour demain et vous avez joué les mitrons comme d'habitude. Et qu'est-ce que tu en penses de ce coup de vent? On est bientôt arrivé. Noël, on a entre 35 et 40 nœuds depuis ce matin, ouais. Et pourtant le coup de vent c'est prévu pour demain, beaucoup plus fort. Tu en penses quoi toi? On est un peu tendu à l'arrivée et à l'approche du coup de vent, mais visiblement c'est le tribut à payer pour passer au nord dans les eaux plus chaudes. Et là on préparera les cannes à pêche et les maillots de bain. Thank you.
Dimanche 10 février, 11h du matin, journée calme, navigation au moteur. Laissons ce petit boulot pendant les vacances. Hey, qu'est-ce que ça coûte? Pendant qu'il y en a qui bossent, les autres s'amusent, hein. Ils font joujou avec leur petite caméra. Laissons, tu peux faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Non. Bis repetita. Et à midi, écoute. C'est une salade tout ski. Tout ski. Tout ski. Tout ski. Tout ski. Tout ce qui reste. J'ai pas mon tablier, je peux pas. Non, me filme pas, j'ai pas mon tablier. Bordel de la cabine avant. Comme d'hab. Cabine VNP. Le bordel de la salle de bain. Comme d'hab. La cabine arrière, bien rangée. Ton beau t-shirt. Oh, et bien porté, Christian. Surtout, surtout. Ah bon. Une bière. Une bière. Voilà, sur l'AIS, Christian. Ah, il y a un petit bateau. Il y a un petit bateau chinois. Chinois. Premier bateau depuis la Géorgie du Sud, ma foi. Et effectivement, il n'est pas tout seul. On en a une petite dizaine là. Ok. Donc on va veiller attentivement. Ah, voilà du bœuf. Du bœuf après un mois de mer, en Noël. C'est du thon frais et pêché d'hier soir. Et j'essaie de faire aussi un petit séviché, mais je suis pas très satisfait. Donc on va. Du thon, super, le premier poisson depuis la traversée de Polynésie, il y a un an. Voilà, semi-cuit. Semi-cuit, super.